J'ai choisi de m'inscrire à cette formation parce que je reçois pas mal de patients avec des maux de tête et je pense que j'avais des lacunes sur le sujet. Donc ben, je me suis laissé tenter par l'aventure et c'était plutôt cool. Pour le coup, le top 1, je pense que c'était le bilan que Vincent nous a présenté. C'était vraiment très complet. Il ne nous a pas donné sa recette, il nous a dit voilà moi ce que je fais, adapte-le à votre sauce en fonction de votre pratique. Le top 2, c'était la théorie, le retour aux bases, parce que c'est, je pense, là où aussi moi j'avais personnellement des lacunes. C'était dense, surtout la première matinée, mais digeste et assez ludique de temps en temps pour pouvoir détendre l'atmosphère. Et le top 3, toute la partie pratique. On a pu échanger entre thérapeutes, on a pu discuter un petit peu de nos manières de faire et de nos façons de voir. Et ça crée un peu une émulation qui peut donner des idées pour moi et ma façon de faire dans le futur. Je recommanderais à mes confrères de venir à cette formation déjà un petit peu comme moi. Si vous avez des lacunes, je pense qu'elles seront comblées. Pour passer un bon moment entre thérapeutes, pour apprendre des nouvelles choses sur les céphalées, comment les différencier et vraiment avoir ce côté discussion de groupe plutôt que de raisonner tout seul.